Bienvenue sur chaîne Tian Gaming, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur voir si vous êtes un vrai gamer. Donc vous pouvez le mettre en commentaire, ça me dérange pas. Est-ce que vous avez déjà été voir ce site? Moi je pense que oui, mais bon, c'est pas grave. Dans un premier temps, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo et commenter, voilà. Bien sûr, la première vidéo, vous avez peut-être reçu une notification, mais vu que était de mauvaise qualité, bien sûr, avec 240 pixels, là j'espère que ça va être largement mieux. Donc voilà. Alors, sur ce site-là, bien sûr, jeuxvideo.com, pour ceux qui connaissent, c'est un site où l'on retrouve tous les tests de jeux ou des fiches qui nous expliquent les nouveaux jeux qui vont sortir, comme Call of Duty, tout le monde attend ce Call peut-être, ou tout le monde a attendu Outlast 2, même si Outlast 2, je n'aime pas vraiment beaucoup, j'aime pas beaucoup ce jeu-là. Donc, bien sûr, Call of Duty sera disponible sur PC, PS4 et One, donc One, je pense que c'est la Xbox One, je suis pas sûr, donc vous pourrez me dire en commentaire si c'est vrai ou faux. Donc la sortie en France sera le 3 novembre 2017, bien sûr, historique, ça sera sur la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est pas mal. Donc il y a plusieurs... c'est 59 € sur PC, donc moi je vous recommande d'aller sur la Fnac, parce que bien sûr c'est pas moins cher à Amazon, et au moins à la Fnac, vous avez des conseillers... qui pourront vous aider selon le PC que vous avez ou enfin bon d'autres choses. Donc voilà, donc petit coucou à la Fnac, que j'aime vraiment la Fnac pour ça, en tout cas ils sont vraiment niveau conseil au top. Aussi je vous conseille la Fnac sur PS4, donc ça sera à 59,90 €, et sur One vous êtes obligé d'aller sur Amazon et ça sera 70 €. Donc voilà, donc petit coucou à la Fnac que j'aime bien. Voilà, j'aime bien la Fnac, bon, vous n'allez pas m'en vouloir, c'est pas un classement de produit non plus, donc voilà, vous pouvez rien dire. Donc dans le menu du jour, non je rigole, donc vous avez les tests de... j'en ai marre de ces blagues. Donc vous avez les tests, les astuces, donc astuces sur certains jeux. Donc vous allez voir ça. Ah j'ai vraiment, voilà. Donc vous avez, vous avez intéressant là sur Clash Royale, les meilleurs decks pour gagner, donc mise à jour, donc voilà, Zelda sur Switch et Wii U, voilà, c'est très intéressant quand même. Le dossier sur Clash Royale peut être très intéressant, je vous conseille d'aller le voir quand même. Les meilleurs decks pour gagner, ça peut servir à Ivan Gaming s'il regarde cette vidéo. Ensuite, et à vous tous, bien sûr. Donc les lives, c'est qu'il y a des compétitions, enfin il y a des trucs comme si on était sur le stream. Bien sûr, ce n'est pas un placement de produit, mais j'adore le stream aussi, tout le monde le sait, je parle de stream. Voilà, je regarde tout le temps le stream, je me couche à minuit, je regarde jusqu'à la fin, enfin bon, voilà. Donc là, c'est des vidéos sur des gameplays, des machins comme ça. Là, vous avez le forum, donc si vous avez moins de 15 ans, vous allez dans le moins de 15 ans. Si vous avez entre 15 et 18, vous allez dans le 15 et 18, enfin voilà. Ou vous pouvez quand même aller dans Guerre des consoles, Communauté, League of Legends, Pokémon Go, Pokémon Soleil Lune. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ensuite, bien sûr, vous avez toutes les catégories. Vous pourrez chercher la catégorie que vous voulez. Donc vous avez PC... Vous avez PS4, One, Nintendo Switch, Wii U, PS3, Xbox 360, 3DS, PS Vita, DS, Wii, iOS, Android. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est Android, mais peut-être que d'autres, ça va être PC. On ira dans la catégorie PC juste après. Donc, vous pouvez vous créer voilà, ce qu'il y a eu là. Donc, tous les nouveaux jeux, et le jeu qui est sorti ça fait pas longtemps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Yu-Gi-Oh, que ça fait plus longtemps que c'est sorti, Batman et The Walking Dead. Voilà, c'est très simple. On va aller voir dans PC, puisque ça peut plaire à tout le monde, bien sûr.
Donc, Outlast 2, bien sûr, et puis plein d'autres jeux qui sont sortis. Moi, je dis rien, je m'avance pas sur cette plateforme-là parce que j'y connais pas beaucoup, beaucoup dans ces trucs-là. Vous avez aussi le store où vous pouvez sûrement acheter des choses avec vous. Donc, ah oui, d'accord. Donc, on arrive dans les trucs millénaires et tout ça. Donc, on va arriver dans le stream, dans les trucs comme ça. Non, ça continue. Ah oui, d'accord. Donc, Payo Millennium 2017. Ouais, on arrive dans le truc e-sport où vous pouvez commander, bien sûr, votre PC gamer. Le MM3K. Ouais, des bons trucs. Ah, Zerator, tiens, ouais. Millennium, jeu vidéo, ouais. Voilà, donc le MSI, ah oui, donc il coûte 1000 euros. Et vous avez le Home and Buy HP 870 à 1000 euros aussi. Bon, c'est pas cher. On va dire que c'est pas cher. On va dire que c'est pas cher. Parce que. Voilà, faut faire un peu de pub. Alors, sinon, voilà. Donc c'est tout. Vous pouvez bien sûr vous créer un compte gratuitement pour recevoir tout. Tout, bien sûr, tout de jeuxvideo.com, de ce qui vous intéresse, vous voyez les dates de sortie, les machins comme ça et tout. Voilà, donc je vous fais pas montrer la partie YouTube que vous voyez là, bien sûr, ça reste confidentiel. Je n'ai pas envie de vous faire montrer. Il y aura peut-être une vidéo prochainement consacrée à ça, mais voilà, je ne le ferai pas montrer. Il y aura que peut-être mon staff qu'il sera et. Salim, mais sinon personne ne sait de ce qui se passe sur ma chaîne ou autre chose, même si je vous fais passer beaucoup beaucoup de choses qui doivent rester confidentielles quand même. Voilà. Bon alors je vous laisse en espérant que la qualité soit meilleure. Donc je remercie jeuxvideo.com qui me donne des idées de vidéos chaque jour. Voilà, allez je vous laisse. Ciao. Bye bye.